Alors pour ce tuto apprendre à tricoter, on va apprendre cette fois-ci le point de riz. Je l'ai utilisé moi pour le tuto tricot numéro 11, donc en l'occurrence un gilet manche kimono taille adulte qu'on trouve sur le site de Prima. Donc l'objectif, ça va être non seulement d'apprendre à tricoter ce point de riz tout droit, mais aussi de savoir l'augmenter pour faire éventuellement des emmanchures et puis venir faire des encolures. On apprendra aussi à faire les diminutions en raglan parce que ça pourrait vous être utile. Donc là, c'est le petit échantillon que je tricote justement pour ce gilet manche kimono. Et si on le regarde un peu plus près, on s'aperçoit qu'il y a comme une alternance de petites boucles alternées avec quelque chose qui pourrait ressembler à des petits V. En tout cas, il n'y a pas de boucle. Boucle, petit V, boucle, petit V. Voilà, il y en a partout. Dès lors qu'on voit cette alternance, on peut se douter qu'on va avoir des mailles en droit et des mailles en vert qui vont justement s'alterner sur la totalité du point. Hop, mon téléphone. Donc on va le regarder d'un tout petit peu plus près pour essayer de reconnaître ce qu'est une maille en droit et ce qu'est une maille en vert. Alors moi, je vous conseille quand même de regarder, parce qu'il est à mon avis fondamental, le tuto que j'avais mis en ligne qui s'appelle Tricoter les mailles comme elles se présentent. Comme ça, on reconnaît les mailles. Mais on va regarder ici le principal. Si on regarde à la base de chacune des mailles que je viens de tricoter, on s'aperçoit donc que certaines ont une petite boucle et d'autres ont plutôt un petit V. Alors les boucles se voient toujours très bien. Les petits V, parfois, il faut venir écarter un petit peu pour bien les voir. Ce qu'il faut que vous sachiez, c'est que quand vous voyez une boucle, ça signifie maille en vert. Et quand vous voyez un petit V, ça signifie maille en droit. Ça, déjà, c'est reconnaître une maille. Pour le point de riz, ce qu'il y a de particulier, c'est qu'on va venir tricoter les mailles d'une certaine façon. On va venir contrarier les mailles. Alors, je vais vous expliquer. Au départ, ce qu'on apprend souvent, c'est à tricoter les mailles comme elles se présentent. Ça veut dire que si je vois une petite boucle, je la tricoterai à l'envers. Et si je vois un petit V, je la tricoterai à l'endroit. Boucle à l'envers, petit V à l'endroit. Le point de riz, ça va être l'inverse. Lorsque je vois une petite boucle, je vais contrarier la maille et la tricoter à l'endroit, alors que je devrais normalement la tricoter à l'envers. Et lorsque je vois un petit V, je vais là aussi contrarier la maille. Je vais la tricoter à l'envers alors que normalement je devrais la tricoter à l'endroit. Alors contrarier les mailles, ça veut dire quoi? En dehors du fait qu'on sait que petit V, je la contrarie, je la tricote à l'envers, petite boucle, je la contrarie, je la tricote à l'endroit. Contrarier les mailles, c'est synonyme de tricoter les mailles comme elles ont été tricotées sur le rang précédent. Regardez. Ici, cette maille a une boucle, je veux la contrarier, je vais donc la tricoter à l'endroit. Si je retourne, cette même maille sur le rang d'avant, c'était un petit V. Ça veut dire que le rang d'avant, je l'avais tricoté. Je vais pousser la boucle hein, pour pas qu'on confonde. Voilà. Sur le rang d'avant, cette maille, je l'avais tricotée à l'endroit. Et sur le rang suivant, en la contrariant, je vais la tricoter à l'endroit. Donc, contrarier les mailles, c'est tricoter les mailles de la même façon que sur le rang précédent. Alors, on va mettre tout ça en pratique. Ça serait quand même beaucoup plus simple pour le comprendre. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va monter un certain nombre de mailles. A priori, le point de riz, on vous dit toujours de monter un nombre de mailles impaires, puis d'alterner une maille en droit et une maille en vert, et de répéter le même rang sur tous les rangs suivants. Alors moi, je vais vous dire, ce qu'on va faire, c'est qu'on va tricoter, monter n'importe quel nombre de mailles, parce que c'est un point qu'on peut parfaitement tricoter, quel que soit le nombre de mailles montées au départ. À partir du moment où on le comprend, on pourra s'adapter, que ce soit un nombre de mailles pair ou impair. Donc moi je vais monter 20 mailles, c'est-à-dire un nombre pair, c'est-à-dire exactement l'opposé de ce que réclame normalement ce point de riz. Voilà, mes 20 mailles sont montées, donc ce qu'on va faire pour l'instant sur le premier rang, et c'est j'allais dire quasiment le rang le plus important, c'est là où il ne faut pas se tromper, parce que tous les rangs dépendent de ce premier rang. Donc on va tout simplement alterner une maille en droit et une maille en vert. Par convention, on commence ce point par une maille en droit. Donc une maille en droit. Fil devant, une maille en vert, fil derrière, une maille en droit. Alors là déjà, ce que je peux vous dire, c'est que ce point, est-ce que c'est un point débutant? Alors j'allais dire oui et non. Oui, parce que comparativement au point de blé, il est plus facile. Le point de blé, il y a des rangs où vous allez tricoter les mailles comme elles se présentent et des rangs où vous allez contrarier les mailles, donc c'est un peu plus compliqué. Le point de riz, lui, c'est vous contrariez tout le temps les mailles, comme ça, il n'y a pas de souci. Mais par contre, il a un inconvénient, c'est qu'il vous demande de passer sans cesse votre fil devant pour faire votre maille en vert et votre fil derrière pour faire votre maille en droit.
Alors déjà, quand on tricote comme moi en lâchant les aiguilles, ça prend beaucoup de temps. J'ai une façon de tenir mes aiguilles qui n'est pas correcte. Tentez autant que possible d'apprendre à tricoter autrement, enfin en tenant les aiguilles autrement que moi. Donc je lâche les aiguilles, je tricote, je lâche les aiguilles, je passe le fil devant, je tricote, vous voyez. Déjà, ça prend du temps. L'autre chose, c'est qu'on pourrait imaginer que vous oubliez de passer le fil derrière avant de tricoter votre maille. Donc là, je viens de faire une maille envers. Je devrais passer mon fil derrière et faire une maille en droit. Et je vais oublier. Je vais tricoter ma maille en droit sans passer le fil derrière avant. Et regardez ce qui s'est passé. Ce qui s'est passé, c'est que je suis venue, sans m'en rendre compte, rajouter une maille. Et ça, c'est un problème. Alors, quand on est débutant, passer le fil devant, derrière en permanence, ça peut être assez compliqué. Et si on oublie de passer le fil avant de tricoter la maille en droit ou la maille envers, on va rajouter des mailles. Votre nombre de mailles va être modifié et votre point, il sera foutu et vos dimensions ressembleront plus à rien. Donc du coup, voilà, pas le choix. Enfin, pas le choix. Disons que c'est un point sur lequel il vaut mieux être attentif. Ça reste un point accessible aux débutants, mais ce n'est pas forcément le plus simple. Là, j'ai fait une envers, une en droit, une envers. Je le repère parce que je vois la petite boucle. Je sais que j'ai fait une envers parce que j'ai une boucle ici, en droit, envers. Donc maintenant, c'est le moment de tricoter une maille envers. Une maille en droit, je veux dire. J'arrive vers la fin du rang. Donc vous voyez, je ne me préoccupe pas du tout de savoir si j'avais un nombre pair ou impair. La seule chose que je regarde, c'est par quoi je termine. Je termine par une maille envers. Voilà, c'est une maille envers. Comme je sais que contrarier les mailles, ça veut dire les tricoter comme elles étaient sur le rang précédent, je me dis, puisque j'ai terminé par une maille envers, je vais commencer par une maille envers. C'est aussi simple que ça. Maille envers, et après j'alterne maille en droit, maille envers. Alors déjà, il faut savoir par quelle maille on a terminé le rang précédent, s'en souvenir. Et puis, ensuite, il ne faut pas être interrompu, parce que si tel était le cas, vous allez plus savoir si vous venez de faire une maille en droit ou une maille envers. Et ça va être un petit peu compliqué. C'est pour ça que je préfère que vous raisonniez en termes de contrarier les mailles. J'observe. Je regarde la maille que je vais tricoter. Elle présente pas de petite boucle comme celle-ci. Elle présente un petit V. Si je la contrarie, ça veut dire qu'il faut que je la tricote à l'envers. Et je la tricote à l'envers. Du coup, la suivante, évidemment, il y a une petite boucle. Je sais, je la contrarie, je la tricote donc à l'endroit. Et l'avantage de tricoter les mailles et de les reconnaître et de les tricoter en les contrariant, c'est que même si je m'arrête, il suffit simplement que je regarde la maille qui arrive et je sais que celle-ci a une petite boucle, donc je vais la tricoter à l'endroit, même si j'ai oublié ce que je viens de faire juste avant. À la limite, ça serait même pas un problème parce que si je regarde ce que je viens de faire juste avant, là j'ai une boucle, je l'ai donc faite à l'envers, à l'endroit, à l'envers, donc maintenant c'est le moment de la faire à l'endroit, je vérifie, oui, j'ai une petite boucle, c'est bien le moment de la faire à l'endroit. Voilà, donc moi je pense qu'il vaut mieux ne pas se préoccuper du nombre de mailles qu'on a montées au départ, apprendre à reconnaître les mailles et ensuite, donc du coup, forcément, apprendre à les contrarier. Je vais attaquer le rang suivant. Alors, la première maille, c'est vrai qu'elle est toujours un petit peu complexe. Est-ce que c'est une boucle ou est-ce que c'est parce que mon fil est détendu? Ben, dans ce cas-là, je regarde celle qu'avant. Ici, j'ai une boucle. Pas de boucle, donc là, j'ai une boucle sur la première. Elle se présente pour être tricotée à l'envers. Si je veux la contrarier, je vais la tricoter à l'endroit. Voilà, c'est aussi simple que ça. Alors, je vais tricoter deux rangs de plus et puis je voudrais vous montrer aussi autre chose sur ce point, notamment parce que c'est un point. Alors, c'est un point qui est sympa parce que c'est un point qui est réversible. L'arrière, le devant et le derrière, enfin l'endroit et l'envers du travail, pardon, se ressemblent étrangement. Et en plus de ça, c'est un point qui ne roulotte pas. Ni sur le bas, ni sur les bords. D'ailleurs, vous notez que, alors les bords, on regardera, c'est pas une bordure super jolie, mais vous notez que je n'ai pas tricoté mes mailles lisières, c'est-à-dire la première et la dernière maille, de façon particulière pour avoir un joli bord, parce que je trouve qu'il n'est pas vilain, le bord du point de riz. Donc, c'est un point réversible, c'est un point qui ne roulotte pas, mais quand on. Donc, c'est un point du coup que vous pourriez utiliser pour faire le bas des manches, pour faire le bord d'un col, pour faire la bordure d'un gilet. Et vous l'utilisez sur de petites surfaces, parce qu'il est quand même assez contraignant à tricoter. Hein, dès lors qu'il faut passer le fil devant et derrière, c'est assez contraignant à tricoter. Pardon.
Mais c'est un point aussi, vous allez avoir besoin de savoir si vous êtes sur l'endroit ou l'envers du travail par rapport aux explications qu'il y a dans le catalogue. Donc c'est là que je veux vous emmener, il faut quand même que vous appreniez à reconnaître l'envers et l'endroit du travail d'un point qui est réversible. Donc là, j'attaque un rang, ici j'ai une boucle, donc elle est à l'envers, donc celle-ci est à l'endroit, je veux la contrarier, je la tricote à l'envers. Donc je vais aller jusqu'à la fin de mon rang, et puis on va essayer de reconnaître quand est-ce qu'on est sur l'endroit ou sur l'envers du travail alors qu'on est sur un point réversible. Ça, c'est une chose assez importante, surtout lorsqu'on fait des augmentations, des diminutions, puisque dans les catalogues, on vous parle de faire les diminutions sur l'endroit du travail. Bon, ben, faudrait savoir où c'est. Et puis aussi, lorsque on utilise ce point de riz et qu'après on utilise un autre point, qui nécessite de bien savoir si on est sur l'endroit du travail ou pas. Voilà. Donc ça, il faut savoir le reconnaître dès le départ. Je finis ce rang et puis je vous montre ça. Voilà, j'ai fini le rang et voilà comment ça se présente. Donc si vous regardez d'un côté ou de l'autre, ça se ressemble étrangement, c'est le principe du point réversible. Lorsqu'on monte les mailles comme je les ai montées, comme je les ai montées au départ, on a un fil perdu qui reste et on a le fil qui mène à la pelote. Lorsque le fil perdu est du même côté que le fil qui mène à la pelote, c'est que vous êtes sur le point d'attaquer un rang impair, ce que j'appelle aussi l'allée, et ça s'appelle l'endroit du travail. Lorsqu'au contraire le fil perdu est à l'autre bout du fil qui mène à la pelote, c'est que vous êtes sur le point d'attaquer un rang pair, c'est-à-dire un retour, ce qu'on appelle aussi l'envers du travail. Alors par contre, imaginons un instant que vous n'ayez pas monté vos mailles de la même façon que la mienne et que bien que vous soyez sur un rang impair, vous savez, vous les avez comptées, votre fil perdu soit de ce côté. Donc le repère ne sert plus à rien. Ce que je vous propose de faire, moi, c'est dès le premier rang. C'est un rang impair puisque c'est le rang numéro 1. Vous savez que le rang de montage, quand on monte les mailles, il ne compte pas. Donc dès le premier rang que vous tricotez, vous pourriez mettre un petit repère. Voilà. Dès le premier rang, quand vous êtes en train de le tricoter, tout simplement parce que c'est un rang impair et que vous êtes sûr d'être sur l'endroit du travail. Ce qui fait que chaque fois que vous verrez votre petit repère, vous saurez que vous êtes sur l'endroit du travail. Ok. Donc moi, ce que je vais faire, c'est que je vais faire quelques rangs. Déjà pour me réhabituer à ce point, parce que figurez-vous que j'ai tricoté des côtes là juste avant, et les côtes, on tricote les mailles comme elles se présentent, donc l'inverse de ça, donc il faut que je le reprenne bien correctement en main. Je vais faire quelques centimètres de plus, et puis, pardon, on va attaquer les augmentations d'un côté et de l'autre pour faire, imaginons, des emmanchures. Oui, finalement, j'ai changé d'avis, je voudrais vous montrer si des fois vous vous trompez. Donc la boucle, je dois la contrarier, je dois la tricoter à l'endroit. Eh bien, je vais me tromper, je vais la tricoter à l'envers. La suivante, pas boucle, je devrais la tricoter à l'envers pour la contrarier. Eh bien, je vais me tromper, je vais la tricoter à l'endroit. Bref, je me trompe. Et je me rends compte. Alors, je me rends compte déjà parce que j'ai deux boucles qui se suivent et que ce n'est pas possible. Mais aussi parce que ben, si vous en rendez compte sur le rang suivant, ça va être un petit peu plus pénible. Mais bon. Donc, il faut que je défasse deux mailles. Voici la maille et voici juste en dessous la maille du rang précédent. Mon fil. Je le mets là où il me gêne le moins. Et je viens piquer dans la maille du rang précédent. Et je tire. Là, je vais mettre mon fil devant pour pas qu'il me gêne. Hop. Et je viens piquer dans la maille du rang précédent. Et je tire. Voilà. Maintenant, je regarde. J'ai une boucle. Je dois la contrarier. Donc, je la tricote à l'endroit. Et je reprends mon ouvrage là où j'en étais. Voilà, donc je termine ce rang avant d'attaquer les emmanchures. Tiens, les chiens s'y mettent, ça y est. Vous notez que je suis sur le point, je suis sur l'endroit du travail, je suis donc sur le point d'attaquer un allée, un rang impair, ce qui est assez logique puisque je veux venir faire des emmanchures. Les emmanchures, ça se fait sur deux rangs. Sur le premier rang, on veut venir augmenter en début d'allée pour faire cette manche. On finit le rang. Et sur le retour, on va venir augmenter en début de rang retour un certain nombre de mailles pour faire la deuxième manche. Alors là, ce qu'on va faire, c'est que je vais augmenter de 8 mailles de chaque côté. Donc moi, ce que j'ai l'habitude de faire, c'est de mettre un petit repère avant d'augmenter pour être sûr du nombre de mailles que j'augmente. Voilà, je le mets ici. Parce que la première maille, elle est très lâche. Et quand je recompterai le nombre de mailles que je viens de monter, il n'est pas impossible que je confonde cette maille qui existait déjà avec une maille que je viens juste de monter. Donc pour éviter tout souci, je mets un petit repère que j'enlèverai tout de suite après. Donc je vais monter 8 mailles et je vais les monter en les tricotant parce que je trouve que la finition
et plus joli. Voilà. Je contrôle. Donc mon repère est ici, 2, 4, 6, 8. Voilà, j'ai monté mes 8 mailles. La première question que je vais me poser avant de savoir comment je vais tricoter celle-là, c'est de savoir comment se présente celle-là. Et je vais venir à rebrousse au poil. On va faire un gros plan, on y verra un petit peu mieux. Voilà, donc je me situe à un endroit où j'y vois pas trop mal. Donc celle-là, boucle, pas boucle, 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 boucle, pas boucle. Si cette maille existait, elle n'aurait pas de boucle. Elle se présenterait donc à l'endroit. Donc pour la contrarier, je vais commencer par la tricoter à l'envers. Allez, on se le refait. À place de boucle, je vais utiliser le mot envers. Cette maille est une maille qui se présente à l'envers. À l'endroit, à l'envers, 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 à l'endroit. Elle se présenterait à l'endroit, donc je vais la tricoter à l'envers. Donc la première à l'envers. Du coup, fatalement, la suivante à l'endroit. Envers. Voilà, je fais mon alternance. Alors là, je l'enlève et je vérifie. Là, je suis sur le point de tricoter à l'envers et c'est vrai. Ici, j'ai une boucle, donc là, j'ai pas de boucle, donc il faudrait bien que je la tricote à l'envers. Boucle, je la contrarie, je la tricote à l'endroit. Donc voilà, en faisant comme ça, à rebrousse-poil, d'abord je regarde comment seraient les mailles si elles avaient existé, et ensuite du coup j'en déduis comment je les tricote en les contrariant. Vous ne venez pas perturber votre motif alors que vous avez augmenté un certain nombre de mailles, quel qu'il soit d'ailleurs, pair, impair, franchement ça n'a aucune importance. Et vous pouvez continuer votre ouvrage en respectant votre motif. Donc je vais jusqu'à la fin de mon rang. J'arrive à la fin de mon premier rang d'emmanchure. Je suis sur le point d'attaquer un rang retour. Je suis sur l'envers de mon travail. Vous voyez fil perdu d'un côté et fil qui mène à la pelote de l'autre. Et donc là, ben bon, a priori c'est des manches, donc j'ai le même nombre de mailles d'un côté que de l'autre. Je vais donc monter 8 mailles de ce côté. Je mets mon petit repère et je monte 8 mailles. Je vais les monter aussi en les tricotant et je vais les monter aussi en les tricotant à l'endroit. Je trouve que c'est plus facile que de les monter en les tricotant à l'envers. Mais bon. Donc 8 mailles. Voilà, c'est fait. Alors je contrôle. Mon repère est ici. 2, 4, 6, 8 et 1, 9. J'ai monté une maille de trop. C'est pas un souci. Je la fais tomber. Alors la même chose. Je me mets à un endroit où j'y vois pas trop mal. Ici, il y a une boucle. Pas boucle, boucle, 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 pas boucle, boucle. Si elle existait, cette maille, elle aurait une boucle. C'est une maille qui se présenterait pour être tricotée à l'envers. Donc, je la tricote à l'endroit. On peut se le refaire avec maille envers, maille endroit. Donc là, c'est une boucle, ça veut donc dire maille envers, envers, endroit, envers, endroit, envers, endroit. Envers, endroit, envers, endroit, envers, endroit, envers. Pardon, c'est une maille qui se présenterait pour être tricotée à l'envers. Comme je la contrarie, je la tricote à l'endroit. Et je continue mon alternance, maille endroit, maille envers. Et on vérifiera au moment où on dépasse ce repère qu'en effet, on ne s'est pas trompé. Auquel cas, on défait. Vu qu'on vient juste de les monter, c'est pas... ça va. On ne défera pas trop de choses. J'accélère un petit peu. Hop. Donc là, il y a mon repère. Celle-là, on la voit très mal, c'est pas la peine de l'observer. Celle-là, elle se présente pour être tricotée à l'endroit. Je la tricote à l'envers. Ça va, j'ai respecté mon alternance, il n'y a pas de problème. Elle se présente à l'endroit. Je la tricote à l'envers parce que je la contrarie. Et voilà. Allez, je fais quelques rangs, enfin très peu, hein. J'ai un peu la flemme.
Je fais quelques rangs pour simuler ces emmanchures. Et donc après, on va venir rabattre au bord, hein, puisque la définition même des emmanchures, c'est de monter des mailles à un moment et puis de venir en rabattre autant à un autre moment quand on a atteint la hauteur de manche voulue. Enfin là, c'est, je parle d'emmanchure dans le cadre d'une veste avec des manches de type kimono, hein. Ça veut dire que les manches sont dans le prolongement de l'ouvrage. C'est pas des manches qu'on tricote à part et qu'on vient coudre. On les tricote en même temps que le devant et en même temps que le dos. Ben si, évidemment, j'ai encore oublié un truc. Donc là, je fais mon rang retour. Et j'arrive sur la partie des manches que j'ai montée le rang d'avant. Ben là, il n'y a pas de problème. Hein. Je tricote, je contrarie les mailles comme d'habitude. Elle se présente à l'envers, je la tricote à l'endroit. Elle se présente à l'endroit, je la tricote à l'envers. Ça ne change strictement rien à l'alternance. Et pareil pour le rang d'après. Hop, si je regarde, elle se présente à l'envers, elle se présente à l'endroit, je contrarie. Je commence donc à l'envers. Voilà. Pas de souci particulier une fois qu'on a compris comment se présentent les mailles et donc comment les contrarier. Bon, ben il n'y a pas moyen, hein. Il faut toujours que j'en fasse une, alors je vous montre. J'étais tellement concentrée sur mon travail, voyez-vous, que j'ai pas vérifié ce que je venais de faire. Or, quand on débute et quand on apprend un point, et même quand on tricote au cours, il faut toujours de temps en temps vérifier. Et je ne sais pas si vous le voyez, mais il y a comme qui dirait un truc de bizarre, là. Il y a une escounaillée quelque part par là. Alors d'après moi, j'ai tricoté sur un rang les mailles comme elles se présentent, et donc j'ai inversé du coup mon alternance. Voilà, je pense que c'est ce qui s'est passé. c'est extraordinaire. Je fais un tuto pour apprendre le point de riz et je me plante quand je le fais. Alors moi, je suis sûre que c'est quand les chiens ils ont aboyé, ça m'a perturbé et voilà. Ça doit sûrement être de leur faute. Moi, je suis la mauvaise foi incarnée. Cela étant, ne rigolez pas trop parce qu'il se pourrait bien que ça vous arrive aussi. Alors c'est pas une menace, mais le fait est que ça arrive. Je veux dire pas qu'à moi. Ben là, il n'y a pas 36 solutions. Soit on laisse passer parce qu'on estime que ça se voit pas. Honnêtement, non. Bon, moi je suis sur un essai, donc honnêtement, je ne vais pas le défaire, hein, c'est clair. Mais sinon, il vous faut défaire la totalité des rangs, remettre les mailles sur vos aiguilles à un endroit où les choses semblent bien aller et repartir sur de bonnes bases. J'ai mis en ligne un tuto, je crois qu'il s'appelle maille torse, brin avant, brin arrière, enfin je ne sais plus. Et c'est là où on voit comment on remet correctement les mailles sur une aiguille. Voilà, ça peut être intéressant de le regarder au cas où. Bon, mais sinon, alors on faisait semblant que je m'étais pas trompée. Et donc je continue vaillamment. Alors vous voyez, ça se voit aussi de l'autre côté, hein. C'est kif-kif bourricot, hein. Il n'y a pas moyen. Donc non, là, il faudrait défaire. Mais moi, je ne vais pas le faire parce que je fais ce que je veux. Et voilà. Donc je continue un petit peu mes soi-disant manches. Et puis on se retrouve après. Ok, bon du coup, je suis contrariée, comme mes mailles. Ou pas d'ailleurs, en l'occurrence. Alors je n'ai pas fait plus de rang que ça ira bien. Bon, normalement, des emmanchures, vous l'aurez compris, on est supposé rabattre autant de mailles pardon, qu'on en a monté. Là, je ne vais pas faire ça. J'ai besoin de garder une certaine largeur parce qu'on a d'autres choses à faire derrière et il me faut quand même un petit peu de largeur. Donc, je décrète que je vais juste rabattre les trois premières mailles. Alors, moi, j'ai l'habitude de mettre un repère parce que c'est pareil, quand on rabat les mailles, si on est interrompu ou si on a une mémoire de poisson comme moi, et bien, ce qui se passe, c'est qu'on ne sait plus combien on en a rabattu et il faut recompter tout. Enfin, c'est un peu galère. L'autre inconvénient de ma méthode, c'est que je vais donc rabattre ces trois premières mailles à l'endroit. Et celle qui est de ce côté, qui est de l'autre côté du marqueur, que je ne suis pas supposé rabattre, je vais être obligé de l'utiliser pour rabattre. Parce qu'il faut toujours deux mailles pour en rabattre une. Et donc, elle ne sera certainement pas tricotée comme elle devrait l'être, puisque quand je rabats en tricotant les mailles à l'endroit. Et peut-être que cette maille aurait dû être tricotée à l'envers, en la contrariant. Voilà, donc c'est pas un gros problème parce que sur le rang suivant, on sait qu'on va pouvoir remettre ça en place. Mais je vous montre ça sera plus clair. Alors je rabats. Donc là, je me préoccupe de rien. Je tricote deux mailles, en l'occurrence à l'endroit. La première tricotée par-dessus la dernière tricotée et je recommence. Voilà. Et vous voyez, pour rabattre celle-ci, je suis obligée d'utiliser la maille qui est juste après le marqueur. Et là, j'en aurais rabattu 3. Donc cette maille, elle a été tricotée à l'endroit et je ne sais pas si elle aurait dû être tricotée à l'endroit. Elle l'a été parce que j'ai rabattu. Moi, ce que je vais faire, c'est que je vais regarder comme d'habitude un rebrousse-poil. Donc ici, il y a une boucle. Donc elle se présente à l'envers. Elle se présente à l'endroit, elle se présente à l'envers, elle se présente à l'endroit. Comme je dois la contrarier, je la tricote
à l'envers. Voilà, c'est aussi simple que ça. Je termine mon rang et c'est en début de rang suivant que je vais pouvoir rabattre. Donc là aussi, je vais faire 3 mailles, les 3 premières mailles du rang. Je suis en train de terminer le rang. Voilà. Donc là, je vais rabattre aussi les 3 premières mailles. Donc je mets un marqueur entre la troisième et la quatrième maille en partant du début. Et je vais avoir le même problème. Comme je vais utiliser cette maille pour rabattre celle-ci, elle sera tricotée à l'endroit, alors que peut-être elle aurait dû être tricotée à l'envers, mais là, on ne peut pas y faire grand-chose. J'en tricote 2. Je rabats la première sur la deuxième. J'enlève mon marqueur. Je vais venir utiliser cette maille-là pour rabattre ma troisième maille. OK. Et maintenant, je regarde comment ça se présente. Celle-ci se présente à l'envers. À l'endroit, elle se présente à l'envers. Donc, je vais la tricoter à l'endroit. Et vous voyez, ça fait deux mailles en droit. Celle-là vient d'être tricotée à l'endroit et celle-là aussi. Alors, c'est pas vraiment un souci puisque c'est sur le rang suivant que les choses vont se régler. Donc là, je continue à tricoter les mailles en les contrariant. Comme ça, je respecte mon motif. Et cette dernière ici, vous savez qu'on ne sait pas si je l'ai tricotée correctement ou pas. Et bien, comme je vais la tricoter dans la foulée, je vais la remettre de toute façon dans le sens où elle aurait dû être dès le départ. Alors là, c'est quoi? Elle se présente à l'endroit, donc je la tricote à l'envers. Allez, je termine mon rang et puis on regarde juste à la fin comment je gère ça. Donc là, je termine le deuxième rang. Et vous voyez, je vais tricoter la dernière maille comme elle doit être tricotée. Voilà. Ce qui fait que du coup, j'ai complètement rétabli les choses correctement. Et celle-ci, je la rétablirai à la fin de ce rang-là. Bon. Alors, on va relativiser un petit peu dans le sens où ici, comme c'est supposé être une amanchure, ça sera cousu. Et il se trouve que quand on monte des mailles ou quand on en rabat, au niveau du point fantaisie, c'est toujours un petit peu bizarroïde sur les bords. Et c'est normal, mais ça sera cousu, donc ça se verra pas. Allez, je vais faire 2 ou 4 rangs de plus, et puis on va pas faire l'encolure maintenant. Ce qu'on va faire, c'est plutôt une diminution de raglan, comme si on tricotait un pull raglan, et on fera l'encolure telle que prévue sur ce schéma-là à la fin. Alors le raglan, c'est une façon très spécifique de diminuer les mailles pour donner une forme de raglan à son pull. Donc on le fait généralement sur le dos, sur le devant et sur les manches. C'est ce qu'on appelle du façonnage. Dans le tuto numéro 11, il n'est pas question de raglan, hein, c'est une coupe droite. Donc là, on voit ça au cas où vous en ayez besoin par ailleurs. On va garder le principe de contrarier les mailles, mais voilà ce qui va se passer. Sur les allées, donc sur l'endroit du travail, les 4 premières mailles et les 4 dernières mailles seront traitées à l'endroit. Alors je ne dis pas tricotées, il y a une raison à ça, mais en tout cas, elles seront traitées à l'endroit quoi qu'il arrive. Et sur le retour, les 3 premières et les 3 dernières mailles seront tricotées, quoi qu'il arrive, à l'envers. Et entre les deux, c'est-à-dire 4 mailles en début, 4 mailles en fin, ici, entre les deux, on va contrarier les mailles. Et derrière, si je mets à part les 3 premières mailles et les 3 dernières qu'on tricote à l'envers, le reste, on va contrarier les mailles comme d'habitude. Alors on va commencer notre première diminution en traitant les mailles à l'endroit. Je tricote normalement à l'endroit, donc les 2 premières. La troisième, je vais la saisir à l'endroit et je vais la glisser sans la tricoter. Donc je la prends comme si je voulais la tricoter à l'endroit, mais je ne la tricote pas. Je tricote la quatrième à l'endroit. Et je vais rabattre celle que j'ai glissée sans la tricoter par-dessus la dernière maille. Voilà. J'ai donc traité mes 4 premières mailles à l'endroit. J'en avais 4 au départ, je m'en retrouve avec seulement 3, donc j'ai bien diminué d'une maille. Ensuite, qu'est-ce que je fais? Eh bien, je vais contrarier les mailles et je vais m'arrêter à 4 mailles de la fin. Celle-ci présente une boucle, donc je vais la contrarier, je vais la tricoter à l'endroit. Ben, pour le coup, ça tombe bien, mon fil est derrière. Ensuite, celle d'après, je la contrarie, je la tricote à l'envers, etc. Comme on fait d'habitude, et je m'arrête à 4 mailles de la fin. Voilà, je suis presque arrivée à 4 mailles de la fin. Voilà, j'y suis. Elles y sont. Je vais les traiter, elles aussi, à l'endroit. Donc, mon fil, je le passe derrière, quoi qu'il arrive.
Les deux premières mailles, je vais les tricoter ensemble à l'endroit. Donc vous tirez un petit peu dessous, vous glissez votre aiguille dans les deux premières mailles qui se présentent et vous les tricotez ensemble. J'ai fait ma diminution. Les deux suivantes, je les tricote à l'endroit aussi. Donc là, l'air de rien, on a fait une diminution de type raglan à deux mailles du bord, ici et ici. Sur le retour, je vous disais, sur les rangs pairs, donc sur le retour, sur l'envers du travail si vous préférez, je tricote quoi qu'il arrive les trois premières mailles à l'envers, sans me soucier de la façon dont elles se présentent. Bon, il se trouve qu'elles se présentent à l'envers, mais bon, bref. Ensuite, je regarde et comme d'habitude, je contrarie mes mailles. Donc celle-là, je le vois, elle a une boucle. Celle d'avant n'a pas de boucle, donc celle-ci qui n'a pas de boucle, je devrais la tricoter à l'endroit. Je la tricote à l'envers parce que je la contrarie. Donc vous, ça se présentera peut-être pas de la même façon en fonction du nombre de mailles que vous avez. Et je contrarie mes mailles presque jusqu'au bout, puisque les trois dernières, je viendrai les tricoter quoi qu'il arrive à l'envers. Donc elle se présente à l'endroit, hop, je la tricote à l'envers. Voilà, j'arrive presque à la fin de mon rang numéro 2. Encore quelques-unes à contrarier. Voilà. Et les trois dernières mailles, je les tricote, quoi qu'il arrive, à l'envers. Et du coup, j'ai fait mon premier rang de diminution en raglan. Rang suivant, je répète exactement la même opération. Les quatre premières, je les traite à l'endroit, quoi qu'il arrive. Une. Deux, je glisse à l'endroit, je tricote la quatrième à l'endroit et je rabats la maille tricotée par-dessus, la maille glissée, pardon, par-dessus la maille tricotée. Ensuite, je contrarie. Celle-là se présente à l'endroit, je vais donc la tricoter à l'envers. Et je contrarie mes mailles et je m'arrête à 4 mailles de la fin. J'arrive à la fin de mon rang numéro 3. Je suis à 4 mailles de la fin, je garde donc mon fil derrière, puisque je dois les traiter à l'endroit. Je tricote comme tout à l'heure les deux premières mailles qui se présentent ensemble à l'endroit, puis les deux dernières à l'endroit aussi. J'attaque mon rang numéro 4. Je tricote les trois premières mailles à l'envers. Une, deux, trois. Et ensuite, je regarde et je contrarie. Celle-là se présente à l'envers, je vais donc la tricoter à l'endroit. En ce qui me concerne, une fois encore, vous, ça dépend du nombre de mailles que vous avez montées. Vous n'êtes pas forcément dans le même cas de figure. Mais bon, vous les contrariez tout simplement. Je vais m'arrêter là aussi à 3 mailles de la fin de ce rang numéro 4 pour tricoter les trois dernières mailles, quoi qu'il arrive, à l'envers. J'arrive vers la fin de mon rang numéro 4 en contrariant les mailles. Voilà. Et là, il m'en reste 3. Je les tricote à l'envers. Donc, en fait, ce qui se passe, c'est que le rang 3 et le rang 4, je les ai tricotés exactement comme le rang 1 et le rang 2. Les diminutions de type raglan, c'est ça. On répète sans cesse ces deux premiers rangs. Et entre les diminutions, donc entre les 4 premières mailles et les 4 dernières à l'endroit, et entre les 3 dernières à l'envers, les 3 dernières et les 3 premières à l'envers, pardon, tout simplement contrarier les mailles. Là, je viens de faire une bêtise, tu vois, moi ça va pas moi en ce moment, hein, j'arrive pas à faire deux choses à la fois. Je dois contrarier, donc elle se présente à l'envers, je la tricote à l'endroit. Voilà, il faut rester un minimum concentré, et c'est vrai que moi, c'est pas mon fort. Donc je vais répéter ces deux rangs encore une fois ou deux, histoire que les raglans se dessinent, et puis on regarde ce que ça donne. Et après, on pourra passer à l'encolure, telle qu'elle est faite donc dans ce tuto numéro 11, dans le tuto tricot numéro 11. Voilà, donc j'ai fait juste quelques rangs de diminution en raglan, et on voit bien que le motif est respecté au milieu. Et ici, c'est parce qu'on a traité les quatre premières mailles et les quatre dernières mailles à l'endroit d'un côté, et les trois premières et trois dernières mailles à l'envers de l'autre, que ici on se retrouve avec une bande de jersey oblique. Voilà, c'est le principe des diminutions en raglan. Voilà, c'est assez facile à faire, c'est assez sympa. Bon, moi je n'ai pas continué parce qu'il faut qu'il me reste un peu de matière pour venir faire mon encolure. Hein. Si j'ai plus de mailles, j'aurais du mal à faire une encolure. Et là, du coup,
là où je m'étais plantée, tout à l'heure ça passait un peu inaperçu, maintenant ça se voit un peu comme le nez au milieu de la figure. Donc vous voyez, c'est le point de riz est un point très très contrariant, si vous voyez ce que je veux dire. Bon, eh bien on va pouvoir passer à l'encolure. Donc on regarde un petit peu comment ça se présente. Je vous rappelle deux petites règles. La première concerne l'encolure centrée d'une manière générale et la deuxième, bien sûr, concerne l'encolure lorsqu'on la fait au point de riz. Alors ici, l'encolure qu'on veut faire, c'est ça, hein, cette petite encolure qui est sur le dos du travail. Ce que vous voyez là, c'est un petit décochement qu'il y a sur l'avant du travail. Là, c'est juste quand on diminue, comme on l'a fait par exemple pour ici. Donc rien de particulier. La première règle qu'il faut que je vous rappelle, c'est que ici, vous devez compter le nombre de mailles qu'il vous faut rabattre. On rabat un certain nombre de mailles, on les rabat au milieu et on continue un côté puis l'autre. La règle qui concerne tout, c'est-à-dire enfin, l'encolure, pas spécialement au point de riz, c'est que si vous avez un nombre de mailles impair ici, votre encolure sera d'un nombre impair aussi. Et si vous avez un nombre de mailles pair ici, votre encolure, vous devrez la faire d'un nombre de mailles, d'un nombre pair. Je vais pas y arriver. Pourtant, je viens de boire mon café, je me demande ce qu'il me faut. Donc, quand vous allez calculer pour l'ouvrage que vous êtes en train de faire, que vous souhaitez faire, quand vous allez calculer l'encolure, si vous trouvez qu'il faut rabattre 9 mailles alors que vous avez un nombre pair ici, il va falloir arrondir. Ça sera 8, ça sera 10, mais ça ne sera pas 9. Pourquoi? Parce qu'on vient la centrer, cette encolure. Il faut donc que de chaque côté, il y ait le même nombre de mailles. Du coup, nombre de mailles impair, encolure impair, nombre de mailles pair, encolure pair. Moi, j'ai un nombre de mailles pair, j'en ai 22. Alors imaginons, j'ai fait mes calculs et je trouve que mon encolure, je dois rabattre 9 mailles. Donc j'arrondis à 8, j'arrondis à 10, en l'occurrence à 8. Je vais donc rabattre les 8 mailles centrales. Alors moi, j'ai l'habitude de mettre des petits marqueurs, j'aime bien les petits marqueurs, hein. Vous en verrez quasiment dans tous les tutos. Je trouve que c'est super quand on débute. Éventuellement, vous les enlevez, vous les mettez pas, c'est vous qui voyez, mais bon, quand on est tête en l'air comme moi, il vaut mieux. Donc si je dois rabattre 8 mailles centrales et que j'en ai 22 au départ, 22 moins 8, 14, je vais donc laisser travailler sur 7 mailles d'un côté et 7 mailles de l'autre. 2, 4, 6 et 1, 7. Et je viens glisser un marqueur entre la 7e et la 8e maille. C'est-à-dire que le marqueur n'est pas dans la maille, il est juste autour de l'aiguille. Pareil de ce côté. 2, 4, 6 et 1, 7. Voilà. Je glisse mon marqueur entre la 7e maille en partant de la fin et la 8e. Ok. Donc, ce qui se passe, c'est que on va travailler d'abord cette première partie et laisser ces mailles-là en attente. Et on va venir travailler là-dessus, donc au point de riz. Puisqu'on reste sur le point de riz. Là, j'oublie, hein, mes diminutions en réglant. Je fais tel que prévu dans le tuto numéro 11. Alors, ce que je vais faire, c'est que enfin, on va considérer que le marqueur représente la fin de mon rang. Je vais donc, imaginons que j'ai 6 rangs à tricoter, je vais tricoter 6 rangs au point de riz en m'arrêtant à ce marqueur rose. Les autres seront laissés en attente. Donc on reprend les règles de départ. Alors je suis en train de réfléchir que là, comme j'ai un raglan, je suis en jersey, j'ai que des mailles en droit. Donc je vais être obligée de faire un rebrousse-poil. Hop. Parce que ça se présente comme ça pour moi, hein. Mais sur un ouvrage de droit, ça ne serait pas le cas. Celle-là se présente à l'envers, elle se présente à l'endroit, elle se présente à l'envers, elle se présente à l'endroit, envers, endroit, envers. Elle se présenterait donc à l'envers si elle avait été tricotée normalement. Donc je la tricote à l'endroit. Vous voyez que ça sert, hein, de savoir reconnaître les mailles et de savoir les contrarier. Et donc je reprends mon alternance point de riz, tout à fait normal. Et au début, c'est un peu, ça perturbe un peu puisqu'on est sur du jersey, elles sont toutes à l'endroit. Mais il faut pas s'inquiéter, vous voyez celle-là. Elle se présente à l'endroit, je la contrarie à l'envers. Celle-là, elle se présente à l'envers, je la contrarie à l'endroit. Voilà, rien de bien sorcier. On fait comme on a toujours fait jusqu'à maintenant. J'arrive à mon marqueur rose, je suis donc à la fin de mon rang. C'est-à-dire que je tourne mon ouvrage et je ne touche pas aux autres mailles. Ce marqueur, vous verrez, il ne nous servira à rien au bout d'un moment parce qu'on aura fait des rangs supplémentaires ici, donc on comprendra bien qu'on ne va pas tricoter de ce côté. Mais enfin, laissons-le pour l'instant. Je continue à contrarier. Donc là, je ne la vois pas très bien, ma première maille. Donc je pars à rebrousse-poil. Envers, endroit, envers. Elle se présente à l'envers. Je la tricote à l'endroit. Je vais faire comme ça. Je vais faire 6 rangs. 6 rangs où je tricote ce point de riz tout à fait normalement comme je l'ai fait jusqu'à maintenant. Et
je vous montre le début du rang numéro 3, mais c'est comme d'habitude, elle se présente à l'envers, je la contrarie. Je suis contrariante. J'arrive à la fin de mon sixième rang, en imaginant que j'avais 6 rangs à faire. Et donc là, maintenant, ma première partie est terminée. Je vais donc rabattre le plus simplement du monde toutes mes mailles. Alors, ce qui va se passer, c'est que je ne vais pas couper le fil. Normalement, on est supposé couper le fil après avoir vérifié s'il faut qu'on garde du fil perdu pour une éventuelle couture. Mais ça, normalement, dans les tutos, je le précise à chaque fois. Donc, il n'y aura pas de souci. Puis là, c'est un entraînement. Moi, bon, je ne vais pas couper le fil parce que je ne veux pas endommager cette pelote que j'utilise par ailleurs pour faire une déclinaison du tuto 11. Parce que l'objectif un peu des tutos que je fais aussi, c'est que vous puissiez les faire dans le point où je le tricote, mais que vous puissiez aussi faire d'autres points, d'autres choses. Donc j'essaye de faire plusieurs déclinaisons à chaque fois. Donc là, normalement, ce qu'on ferait, c'est que, hop, on passe. Elles sont grosses ces pelotes, elles font 100 grammes. On passe le fil après l'avoir coupé dans la dernière maille et on tire. Ah, c'est coincé. Non, c'est bon. Voilà. Donc ma première partie est terminée. Donc maintenant je prends un nouveau fil. Donc celui-là va traîner un peu, il va un peu nous gêner, mais pas d'inquiétude. Ce que je vais faire, c'est que je vais prendre l'autre fil de ma pelote, moi, pour ne pas avoir à couper. Et donc maintenant il va falloir que je les rabatte, ces 8 mailles d'encolure. Mais comme d'habitude, je vais devoir aller chercher une maille de ce côté pour pouvoir rabattre les 8. Et donc cette maille de ce côté sera tricotée à l'endroit puisque je rabats à l'endroit, mais on verra que ça ne va pas nous poser de problème particulier. Ah oui, on peut vérifier, le point de blé continue à être respecté. Alors évidemment, ici, c'est un peu bizarroïde, c'est la fin du raglan. Hein. Mais normalement, voilà, c'est comme ça. Alors je rabats, je prends un nouveau fil, je laisse un petit peu de fil perdu pour pouvoir camoufler, rentrer le fil à l'intérieur de l'ouvrage à la fin. Et j'en tricote deux. Donc là, on fait attention, on prend bien le fil perdu, on le met de côté. On en tricote deux et on rabat. Je vais aller comme ça jusqu'au marqueur. J'essaye d'aller vite, mais moi, dès que la caméra tourne, il faudrait que je me soigne un jour. Non, je rigole. Je suis comme je suis. Hop. On y arrive, patience. Voilà. Et donc, il me reste cette huitième maille à rabattre. J'enlève mon marqueur et je vais chercher une maille de l'autre côté. J'ai rabattu mes 8 mailles. Et si je compte, 2, 4, 6 et 1, 7, il me reste bien les 7 mailles comme prévu. Donc celle-ci est à l'endroit, ben c'est comme ça. Donc voilà. Genre. Donc je vais faire un rebroussoil comme d'habitude. Celle-là se présente à l'envers, celle-là se présente à l'endroit, celle-là se présente à l'envers. Je vais donc la tricoter à l'endroit. Alors là, ça va être peut-être un peu plus compliqué avec mon fil. Et je continue mon alternance en contrariant mes mailles. Et donc là, je suis sur mon rang numéro 1 de la deuxième partie, en fait. Ça y est, j'ai attaqué la deuxième partie. Hop. J'attaque normalement le rang numéro 2 en contrariant. Il est où mon fil? Elle se présente à l'endroit. Je la tricote à l'envers. Et c'est à la fin de ce rang-là que je vais pouvoir rétablir les choses sur cette dernière maille, qui peut-être n'aurait pas dû être tricoté à l'endroit tout à l'heure. On y arrive. Je contrarie. Endroit, envers, voilà, les choses sont rétablies, il n'y a plus de soucis. J'ai fait deux rangs, je vais donc terminer hein, hors caméra les quatre qui restent, et puis naturellement rabattre. Donc on a toujours le souci ici, à cause de la fin de mon raglan, qui donne un aspect un petit peu particulier, mais évidemment, normalement, ça ne doit pas se passer comme ça. Dans le tuto, il n'y a pas de raglan juste avant l'encolure. Voilà, j'ai fait mes 6 rangs et là, je suis en train de rabattre. Et comme tout à l'heure, je ne vais pas couper le fil pour garder intacte ma pelote. Voilà, j'agrandis. C'est tout ce que je fais. Ok, on observe. Attends, je vais l'agrandir un peu plus parce que... Ok. Alors voilà l'encolure. Donc ce qui se passe ici, c'est que le fil perdu, ça rend la maille un petit peu lâche. Donc normalement, quand on vient camoufler le fil, on en profite pour faire un petit point de couture ici, pour rapprocher les bords. Mais sinon, voilà ce que ça donne. Celui-ci, bien sûr, serait coupé et il serait rentré. Et pareil de ce côté-là. Voilà, on a fait une petite encolure et malgré tout, on a respecté
Le point de riz. J'étais en train de me dire aussi qu'il avait une autre qualité, ce point-là, en dehors du fait qu'il ne roulotte pas du tout sur les côtés, et ça, croyez-moi, c'est très appréciable. C'est que c'est un point, j'allais dire, ça ressemble un peu à un point de toile, c'est-à-dire un point qui est relativement dense et qui va bien pour les vestes, moi je trouve. Je trouve que ça permet une certaine tenue de l'ouvrage. Alors évidemment, si je l'avais tricoté ce fil avec des aiguilles 20, et ça serait tout élampé, et ça serait une vraie chiffe molle, mais d'une manière générale, si vous tricotez le fil avec les bonnes aiguilles en point de riz, ça a quand même une belle tenue. Ça reste malgré tout relativement élastique. Ça convient bien, à mon avis, aussi à la layette. Ça peut être très sympa sur de la layette. Bon, alors que je vous le dise, en dehors de l'échantillon que vous avez vu tout à l'heure, c'est donc la troisième fois que je tricotais du point de riz. Ouais, voilà. Donc, si j'y suis arrivée à peu près au bout de 3 fois, à mon avis, tout le monde peut y arriver. Que vous dire de plus? Non, ben je crois que c'est bon. Là, vous avez normalement les clés pour tricoter ce point de riz, venir l'augmenter, venir rabattre sur les bords, faire des diminutions de raglan, une encolure droite. En l'occurrence, c'est une encolure droite. Voilà, et puis au fur et à mesure que vous connaîtrez ce point, vous découvrirez d'autres choses à faire avec. Et ça peut être très sympa. Bon, et ben, je crois que c'est tout. Donc, et ben, à bientôt pour un nouveau tuto technique pour apprendre à tricoter. Et bien, j'ai encore oublié un truc, comme d'habitude. Je vais quand même vous montrer comment on compte l'échantillon, tant qu'à faire. Il est facile à compter. Je vais me mettre au bord d'une petite boucle. Je prends une boucle comme repère. Alors, je sais qu'une boucle, c'est une maille, et qu'entre deux boucles, il y a une maille aussi. Le petit V, c'est une maille. On l'a vu. Je me mets donc au bord d'une boucle, et je vais compter le nombre de boucles et de trous, enfin d'espace entre les boucles qu'il y a. Chacun représentant une maille, je vais aller jusqu'à 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 11, 12, 13 et 14. Donc il me faut monter 14 mailles pour avoir 10 cm de large. Alors pour la hauteur, je vais faire que sur 5 cm, hein, parce que j'ai pas de profondeur d'échant suffisante. Je prends une petite boucle, je me mets dans le prolongement de cette boucle. Là, il y a une boucle, là, il y a une boucle. Et entre les deux, je sais qu'il y a un rang aussi, forcément. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 et 13. 13 rangs pour 5 cm, ça fait 26 rangs pour 10 cm. Et du coup, c'est pas inintéressant de savoir ça. D'abord parce que ça permet de recalculer tous les tutos que je fais. Chaque fois que vous trouvez un modèle, vous pouvez le recalculer avec l'échantillon. Mais s'il me faut 14 mailles pour faire 10 cm et 26 rangs pour faire 10 cm, on voit que le point de blé se rapproche plus du point mousse que du jersey du point de vue de l'échantillon. Je m'explique. Je vous dis toujours que le point mousse, c'est très long à monter. Il faut énormément de rangs pour faire 10 cm. Il en faut le double du nombre de mailles. Et bien là, on n'est pas loin. 14 mailles dans un sens et 26 mailles pour la même distance à parcourir, j'allais dire. On est dans un échantillon qui est très proche de celui du point mousse. Alors ça explique aussi que ça bouffe pas mal de laine, puisqu'on avance peu, on fait peu de centimètres avec beaucoup de rangs tricotés. Et puis l'air de rien, de savoir ce genre de choses, ça peut avoir son importance quand on veut venir intégrer du point de riz dans la hauteur sur un ouvrage. Par exemple, je fais un ouvrage et je fais le bord en point de riz et ici en jersey. Ça peut poser quelques petits problèmes parce que ici, sur le point de riz, je monterai beaucoup moins vite que sur le jersey. Est-ce qu'il ne faut pas que je trouve une solution? Il y en a, un jour je vous raconterai ce que j'ai trouvé. Mais voilà, en dehors du fait que ça nous permet de recalculer un tuto, un patron, pardon, c'est pas inintéressant de savoir que le point de riz, d'un point de vue du nombre de rangs, est un petit peu comme le point mousse, il monte très doucement, il lui faut presque le double de rang pour faire 10 cm par rapport au nombre de mailles. Voilà, je crois que cette fois-ci, j'ai fait le tour de ce que je savais pour l'instant, en tout cas, sur le point de riz.